Salut YouTube! Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, je note des jeux. Je vous propose l'ombre de la guerre dans le désordre du coup, et l'ombre du Mordor, donc la terre du milieu. L'ombre du Mordor et la terre du milieu, l'ombre de la guerre. Deux jeux issus de la saga Le Seigneur des Anneaux. Bon, c'est pas canon. C'est dans le même univers, mais c'est pas. Ça suit pas vraiment l'histoire. Bref, c'est parti! Let's go! Donc comme pour la dernière fois avec Cyberpunk, j'ai fait mes petites notes. Voilà, donc je vais vous lire en même temps ce que j'ai ressenti, je vais vous expliquer ma note, etc. etc. C'est parti avec l'ombre du Mordor. Donc en graphisme, j'ai mis que c'était très joli. Pour l'époque où c'est sorti, ça devait être vraiment très beau parce que je crois qu'il est sorti en 2014. Putain, j'ai le flash qui m'a pété les yeux, j'arrive plus à lire. Je mets la lumière, sinon ça fait pourri. Ouais, 2014, donc 2014, je sais plus en quelle année est sortie la PS4, mais ça devait être dans les débuts de la PS4. Il me semble que de toute façon, celui-ci, c'est dans les premiers jeux. D'ailleurs, il était sorti en fin de vie de la PS3, mais sur la PS3, il a floppé parce qu'il était buggé à mort. J'ai lu des critiques, vraiment, il y a un gros écart entre les critiques PS3 360 et les critiques PS4 One. Franchement, d'une console à l'autre, c'est de l'eau puis du vin, ça fait comme Cyberpunk, en fait. Donc, bien que moi j'ai pas eu de soucis sur la version PS4 Pro, mais il paraît que sur PS5 et sur PC, gros PC, c'est autre chose. Bref, je m'éloigne. Donc, du coup, voilà, graphiquement, j'ai mis que c'était très joli, mais qu'aujourd'hui il y a mieux. Donc, forcément, c'est sorti il y a longtemps. Donc, maintenant les jeux sont améliorés, forcément. Si on prend Résistance sur PS3 et puis on prend The Last of Us sur PS3, il y a un gouffre entre les deux parce qu'ils sont sortis avec je sais plus combien d'années d'intervalle. Enfin, bref, voilà. Donc ça, vous avez compris. Donc voilà, j'ai apprécié les graphismes malgré tout. C'est pas dégueulasse, ça reste propre. C'est entre le jeu réaliste et le jeu, on va dire, dessin animé. On voit que les proportions, par exemple, les personnages, ils ont des assez gros avant-bras. Ça fait pas naturel. Mais les visages, les mouvements, ça fait quand même un peu plus réaliste. Les vidéos sont très jolies. Il y a quelques cinématiques, c'est très bien foutu. Voilà, et j'ai aimé le panel d'or qui a plein d'or différents. En fait, c'est je crois que dans le premier, j'ai pas dû voir deux orques similaires. Parce que vous savez, en fait, si vous voulez, il y a un système d'or, je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure, mais il y a un système d'or, de hiérarchie d'or avec des capitaines, un peu comme Assassin's Creed fait aujourd'hui, depuis ils ont commencé un peu qu'Origine, mais surtout avec Odyssey, j'ai pas fait Valhalla, mais je suppose qu'ils ont gardé le concept, avec le système des mercenaires qui vous attaquent et puis qui se créent aléatoirement, puis tout le temps vous en avez qui viennent vous emmerder. Et ben là, c'est un système de capitaine. Donc en fait, vous devez capturer des capitaines ou les tuer ou faire ce que vous en voulez. Vous pouvez les dominer aussi. Bref, je vous expliquerai un peu mieux tout à l'heure. Et en fait, ben, souvent dans ce genre de système de jeu, je fais tomber les jeux, justement, vous avez un capitaine qui a un casque avec deux cornes et puis qui est tout maigre. Et puis vous allez voir dans deux heures de jeu plus tard, le même en gros avec le même casque. Enfin, on voit que c'est pas un personnage unique. Mais là, vraiment, ils ont vraiment un gros panel d'orques différents, et du coup, ça fait qu'on voit jamais le même, ou alors, ils ont vraiment fait que des orques uniques, je sais pas, mais il y a très peu, je trouve qu'il y a très peu, bon, il y a des classes quand même, ils ont toujours la même posture, les mêmes armes, à peu près, mais je trouve qu'ils ont vraiment été loin au niveau du type d'orques différents. Après, ça rejoint pas vraiment les graphismes, c'est plus dans le gameplay, on va dire, mais... physiquement ils sont bien foutus, leurs tronches sont pas dégueulasses, c'est bien fait, j'ai bien aimé le graphisme, franchement. Voilà, je mélange un peu tout, on va dire, mais voilà, c'était pas simple à expliquer ce que j'ai ressenti, mais vraiment je trouve qu'ils ont une tronche, une gueule, c'est bien foutu, quoi. Voilà, donc j'ai mis 7 sur 10 au niveau des graphismes. Alors c'est très bien foutu, mais ça a pris un petit coup de vieux quand même, mais ça reste jouable aujourd'hui, et tout ce que je vais vous dire ensuite rattrape ce petit bémol, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un bémol. Donc ensuite, voilà, donc ça c'était pour les graphismes, donc 7 sur 10. L'histoire, alors l'histoire elle est vachement bien. Donc en fait, vous êtes Talion, il s'appelle Talion, et puis vous vous battez contre les orques dans le Mordor, et vous êtes capturé, et en fait, bon, je vais spoiler un peu, mais c'est le début du jeu, donc au pire, vous jouez 10 minutes, et puis vous savez, donc au pire, c'est pas vraiment un gros spoil. En fait, ils vont tuer votre femme et votre enfant devant vous, et ils vont vous tuer, vous,
et sans savoir pourquoi, vous réincarnez. Donc c'est le système du jeu, à chaque fois que vous claquez, vous réincarnez sur des espèces de tours. Hashtag Assassin's Creed, un des tours qu'il va falloir de grimper et dominer pour pouvoir dévoiler les objets sur la carte et les missions. Ça, c'est tous les open world du monde maintenant. Hein. Et du coup, bah, vous cherchez à vous venger, voilà. Et vous avez, en fait, en vous, vous découvrez au fur et à mesure du jeu que vous avez, bah, vous le découvrez dès le départ, mais vous apprenez à le maîtriser, on va dire. C'est ce qui fera votre arbre de compétences. Vous avez, je sais plus comment il s'appelle, un ancien elfe qui a son âme en vous, son spectre en vous, en fait. Et c'est lui, via, enfin, je vais pas trop vous expliquer parce que je vais vous spoiler, mais via quelque chose qui a réussi à vous réincarner. Et puis, en fait, il est lié au méchant de l'histoire également. Et il y a toute une histoire avec ça, donc c'est une histoire de vengeance, mais j'ai bien aimé, c'est bien foutu. Ça me fait penser un petit peu à l'histoire d'Assassin's Creed d'origine, en fait. Hein, c'est une histoire de vengeance aussi, avec son fils qui se fait... Enfin, il tue son fils sans faire exprès. Donc voilà, donc du coup, l'histoire est vachement bien, et c'est vachement imprégné de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Ça compléterait l'histoire du Seigneur des Anneaux, mais c'est canon. Donc c'est au choix, si vous l'acceptez en tant que tel, et ben du coup, ça complète toutes les lacunes que vous avez du Seigneur des Anneaux. Et si vous dites, ah non, 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 le Seigneur des Anneaux, c'est le Seigneur des Anneaux, ça c'est un autre jeu, ça n'a rien à voir, et ben voilà, ça vous fait un petit plus. Moi j'ai accepté de l'intégrer dans l'histoire, donc ça complète des choses. Par exemple, la tronche de Sauron avant qu'il devienne en armure, là, qu'il devienne vraiment maléfique, etc., etc. Enfin, il y a toute une histoire, les anneaux, comment ils ont été forgés, etc. Il y a toute une histoire comme ça. Parce qu'en fait, le spectre qui vient en vous, là, dont j'ai oublié le nom, je ne sais pas s'ils le disent derrière. Non, mais il n'y a même pas de descriptif. En fait, lui, c'était le forgeron des anneaux dans l'histoire. Donc voilà, ça vous explique un peu comment sont arrivés les anneaux, pourquoi, etc., etc. Ce qui est déjà un peu dit, beaucoup dit dans le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs. Donc du coup, j'ai mis l'histoire était captivante, sans être non plus super originale, puisque c'est un homme qui se venge. Bon, c'est quasiment tous les jeux un peu comme ça. Voilà, puis il réincarne. Et puis du coup, il décide de se venger. Donc pour se venger, il va être obligé de conquérir le Mordor pour atteindre Sauron. Donc au début, vous allez avoir le système de capitaine, vous allez les tuer, etc., etc. Puis au fur et à mesure du jeu, vous allez débloquer un pouvoir de domination. Enfin bref, vous allez pouvoir dominer les capitaines et les envoyer attaquer un autre capitaine, les envoyer faire une trahison, etc., etc. Ils pourront vous aider à combattre, etc., etc. Enfin, j'ai vraiment aimé ce système. Donc voilà, niveau histoire, j'ai mis 8 sur 10 parce que vraiment, j'ai été emballé par l'histoire. Les quêtes secondaires sont sympas, ça va pas chercher très loin non plus, c'est pas The Witcher 3, mais c'est pas dégueu. Donc ensuite, le gameplay, alors ça, c'est ce qui m'a fait kiffer le jeu. Le gameplay vraiment est cool. Donc alors, c'est ni plus ni moins qu'un Assassin's Creed. Hein. Vous pouvez faire de l'infiltration, vous pouvez planter les ennemis par derrière, par le haut, par la gauche, par la droite, comme vous voulez. Le système de combat, c'est comme Batman ou Assassin's Creed, vous appuyez sur les bonnes touches au même moment, vous bombardez les touches, etc. Il y a des ennemis qui ont des boucliers, il faut faire une autre touche, il faut passer par-dessus. Vous débloquez des pouvoirs, vous pouvez les geler, vous pouvez faire plein de trucs. Voilà, ça c'est du vu et revu, ça fait toujours plaisir. Ça fait un petit peu, action beat them up, on va dire. Après, j'ai trouvé que c'était très violent. Pour le Seigneur des Anneaux, franchement, c'est violent. Et ça m'a fait kiffer parce que, par exemple, vous faites une exécution et vous allez débloquer des exécutions dans le jeu. Vous appuyez sur telle touche au bon moment après 8 coups, je crois, ou 6 coups. Et d'un seul coup, il se retourne, il met un grand coup d'épée. Là, vous voyez une tête qui vole avec le sang noir, là. Je sais pas, ou alors vous allez en faire tourner. Je sais plus si c'est dans le 1 ou dans le 2, parce que je confonds un peu les deux, parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Vous pouvez planter les gugus par terre, arriver par derrière, les planter. Enfin, c'est assez bourrin, assez violent, assez. Pour du Seigneur des Anneaux, j'ai trouvé que c'était un petit peu choquant. Et c'est vraiment le Seigneur des Anneaux version adulte, quoi. Voilà, donc ça, j'ai trouvé que c'était cool. Ça amène un plus. J'ai bien aimé, surtout dans le 1, ce côté sombre, ce côté glauque, noir. C'est crasseux, c'est noir. On croirait, que ça se passe au Moyen-Âge. Bah, de toute façon, c'est le Moyen-Âge, je suis con. Le Seigneur des Anneaux, c'est à peu près le Moyen-Âge de chez nous, quoi. C'est vraiment, on ressent vraiment cette crasse, cette noirceur, ce mal. Donc, on est dans le Mordor. Vraiment, j'ai ressenti vraiment le Mordor, surtout dans le 1. Le 2, un peu moins. Mais le 1, vraiment, j'ai ressenti ça, quoi. Voilà. Puis après, donc le système des chefs, donc je voulais en venir là, donc je vous ai déjà parlé depuis le début, avec ces capitaines qu'on peut, donc vous avez des capitaines, en fait vous avez un menu, quand vous cliquez dessus, vous avez toute une liste de capitaines, donc au début ils sont noircis, vous ne les voyez pas, et après quand vous en rencontrez un, il apparaît sur l'image, je ne sais pas comment on peut appeler ça,
le menu sur le menu des capitaines. Donc il apparaît en haut, en gauche, en bas, à gauche, à droite. Donc vous avez toute une liste de capitaines qui sont ben, en bas, ils sont moins forts, au-dessus, ils sont un peu plus, etc. Puis au-dessus, vous avez les chefs suprêmes. Il y en a 4 ou 6, je ne sais plus, dans celui-là. Et donc du coup, chaque capitaine se débloquera au fur et à mesure que vous le rencontrez. Si vous l'avez tué, ben, il va claquer et puis il est par terre, il est mort. Et puis au bout de tant de tours de jeu, parce que vous pouvez avancer dans le temps quand vous vous téléportez, ou alors sinon vous attendez une journée, et au bout de tant de temps de jeu, et ben, il y a un autre capitaine qui viendra le remplacer, donc ça s'arrête jamais en fait, il y en a tout le temps qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Et chaque capitaine a vraiment, ben, comme je vous ai dit, son physique, son attribut, il peut faire du poison, du feu, telle arme, telle corpulence. Et vraiment, moi ce que j'ai trouvé épatant, c'est qu'à chaque fois que vous en rencontrez un, il vous cause comme si vous connaissez, enfin. Ça fait vraiment, c'est pas un bot quoi, c'est vraiment comme si chaque capitaine a son IA en fait. Donc il vient, je t'ai vu la dernière fois, on n'a pas fini le combat, ou alors il va venir, j'ai entendu parler de toi, je vais devenir la renommée du Mordor en tuant, etc. Vraiment ça c'est vraiment bien foutu parce que chaque orc a son discours et du coup c'est vachement immersif. Voilà, ou alors je sais pas. Il y en a certains qui reviennent, alors je sais plus si c'est dans le 1, mais dans le 2 en tout cas, quand vous en tuez un, alors je fais un petit peu un mélange, désolé. Dans le 2, quand vous en tuez un, des fois il revient, il est à moitié rafistolé, puis il dit ouais, tu m'as eu la dernière fois, mais je suis pas mort, j'ai survécu. Alors il revient, alors si vous lui avez coupé un bras, il a un bras en ferraille, enfin un crochet, etc. Et je trouvais que c'était vraiment bien foutu. Très immersif. Voilà, donc après vous avez le système des capitaines donc, que vous pouvez tuer, que vous pouvez dominer, que vous pouvez faire fuir, que vous pouvez humilier. Après vous pouvez les dominer donc plus tard et après une fois que vous les dominez vous pouvez les faire attaquer d'autres pour en dominer d'autres. Donc ils ont des petites missions secondaires à chaque fois où c'est qu'ils vont attaquer un Caragor. Donc un Caragor c'est une espèce de fauve qui traîne dans le Mordor. Donc ils sont inspirés des Skaaks, je crois que c'est ça dans le film, mais je pense qu'ils n'avaient pas les droits, donc ils ont dû faire un autre type de bestiole qui y ressemble. Pareil, il y a des je sais plus comment que ça s'appelle, un espèce de gros troll, mais j'ai oublié le nom. C'est pas un troll, un Krog. Un Krog, un espèce de géant là. Ça c'est pareil, c'est pas dans l'histoire du, c'est pas dans les films, donc je pense que c'est des trucs qu'ils ont rajoutés de toute façon dans les jeux vidéo, c'est toujours un peu comme ça. Il y aura des petites missions où c'est qu'ils vont se battre en duel avec un autre capitaine, donc du coup ça vous permettra de tuer ou de dominer l'autre capitaine. Il y a des missions où ils vont boire, simplement ils vont boire, je sais plus comment ils appellent ça, ils ont une boisson là. Donc là vous pouvez empoisonner les fûts et puis du coup ils claquent tous ou alors ils se posent des questions et après ils vous recherchent, etc. etc. Donc vraiment très cool, il y a une partie infiltration, donc comme les Assassin's Creed vous pouvez y aller en mode bourrin, mais au début c'est assez chaud avant de débloquer des pouvoirs. Et j'ai trouvé que le jeu en normal je l'ai fini et tout au long du jeu ça reste quand même assez tendu, hein. C'est pas on roule sur tout le monde. Hein. C'est la difficulté assez costaud, c'est pas non plus un Dark Souls, hein, mais ça reste assez costaud quand même. Sinon, bah, j'ai trouvé quand même un petit bémol, c'est que c'est un action RPG, comme je l'ai dit, vous avez un arbre de compétences, etc., etc., comme dans tous les jeux comme ça, des objets à découvrir, des missions secondaires, etc., etc. Par contre, le petit bémol, c'est que, par exemple, vous avez un ennemi qui vous attaque, il faut appuyer triangle pour vous protéger. Eh ben, des fois vous appuyez puis il le fait pas tout de suite, il y a un petit laps de temps, je trouve que c'est un tout petit peu buggé et c'est un petit peu chiant, genre vous allez courir, il va sauter sur un truc, il va pas s'accrocher tout de suite, enfin, et c'est des petits trucs dans ce genre de jeu, si c'est pas fluide, si ça tape pas tout de suite, c'est vraiment contraignant, et il y a vraiment que ça qui m'a emmerdé dans le jeu, c'est que des fois, on mitraille les touches, on s'énerve un petit peu, donc voilà, c'est le seul petit bémol. Par contre, voilà, le système des capitaines rattrape tout, c'est vraiment un super système qu'ils ont inventé, j'ai vraiment kiffé, donc moi j'ai mis, en gameplay, j'ai mis 9 sur 10. Voilà, donc très 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 satisfait du gameplay, hormis ce petit bémol avec les petits bugs là, qui est un peu chiant. Sinon, j'ai pas trop trouvé de bugs d'affichage, de framerate, etc. Je trouvais que ça allait. Mais c'est vraiment au niveau des touches là, quand on appuie des fois, c'est pas toujours évident. Voilà. Là, donc on va passer à la durée de vie. Donc il est assez long, j'ai dû mettre 40 heures, je crois, 45 heures pour le terminer. Après, moi j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien farfouiller partout. J'ai tout fait, hein, je l'ai platiné par contre. C'est rare que je platine un jeu, mais je l'ai platiné. Bon, après, il n'est pas très difficile de mémoire, je crois que ça allait encore. Il y avait un truc qui était un peu chiant, mais j'ai réussi quand même. Mais ça va. Oh, les voisins qui klaxonnent. Après, j'ai pas trouvé le jeu redondant, je me suis pas lassé, je l'avais fini, j'étais dégoûté de le finir. Vraiment, bon, les quêtes secondaires vont pas chercher super loin, mais avec ce système de capitaine, ça change tout le temps. Et ouais, j'ai pas trouvé ça redondant, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà. C'est pas le genre de jeu où on a. Là, je suis en train de faire Horizon, je vous en parlerai peut-être bientôt. Je sais plus, je dois être à la moitié du jeu et je m'ennuie quoi, c'est plat, c'est mou.
Bah, j'ai pas trouvé ce que les gens. Enfin bref, on en reparlera, mais ça n'a rien à voir, quoi. L'ombre du Mordor m'a beaucoup plus plu. Voilà, donc durée de vie, j'ai mis 9 sur 10 parce que bah, c'est très correct. Une quarantaine d'heures, on s'ennuie pas, on en redemande. Même quand vous avez fini, si vous voulez continuer à assassiner des capitaines, vous pouvez jouer indéfiniment. Donc très très bien, correct. Voilà, ensuite la bande son et la musique. Alors j'ai rien trouvé d'exceptionnel. Il y a une bonne ambiance, on est dans le Mordor, les personnages parlent entre eux, ils se racontent des trucs, ils parlent de vous sans arrêt, donc le Talion, mais ils ont un autre nom. Oh mince, j'ai tout oublié, j'aurais dû la faire tout de suite après la vidéo. Le Tark, ils nous appellent le Tark. Alors je sais plus ce que ça veut dire en orc, en langage orc, mais on est le Tark. Donc le tueur d'orques, et on a une réputation, donc bah, quand vous vous infiltrez, si vous prenez le temps, et puis que vous n'allez pas tuer tout le temps les ennemis, bah, des fois ils discutent entre eux, ils parlent de vous. Il paraît que le Tark est pas loin, il a encore tué des gars à nous, etc. etc. Enfin, je trouvais que c'était vachement bien foutu. Bon, après, ça fait plus ou moins partie des sons. C'est ce qu'on entend, quoi. Sinon, bah, j'ai pas trouvé de musique épique non plus, rien de foufou, mais ça reste quand même bien. On est dans l'ambiance, mais il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Donc, j'ai mis 6 sur 10, j'ai mis un peu plus que la moyenne, parce qu'il n'y a pas non plus, ils ne sont pas été chercher très loin, quoi. Voilà, donc on arrive à la fin de cette note de l'ombre du Mordor. Donc, bah, moi j'ai beaucoup apprécié ce jeu, comme je vous le dis depuis tout à l'heure. Je trouve qu'il a rien à envier au triple A actuel parce que bah, il a su se démarquer à faire son truc à lui. Après, ça reste du Warner Bros. Ça, c'est pas non plus un petit jeu d'un petit studio, on est d'accord. Les graphismes ont un petit peu dépassé, mais c'est pas non plus dégueulasse. Ça, c'est correct. Je me suis pas ennuyé. Vraiment, je vous dis encore une fois, j'ai vraiment pas trouvé le temps long. Hormis les quêtes secondaires qui sont un peu parfois bancales, mais sinon, voilà, le système des capitaines, j'en reviens encore, je parle que de ça, mais c'est vraiment trop bien. Le système de combat est cool, les infiltrations sont sympas, les bâtiments sont bien foutus, il y a des pièges, vous pouvez lâcher des fauves, là j'ai oublié le nom, sur les ennemis, etc. etc. Donc, d'ailleurs, je vous ai pas dit Skag, mais c'est pas Skag dans. C'est pas des Skag, j'ai dit Skag, il me semble, je sais plus. Parce que les Skag, c'est dans Borderlands. C'est des. Oh, je sais plus si je retrouve, je vous mettrai ici, dans le Seigneur des Anneaux, les fauves, là, mais j'ai zappé. Et puis en même temps, je vous mettrai les fauves dans l'ombre du Mordor. J'oublie tout le temps les noms des bestioles, les noms des trucs, ça m'intéresse pas forcément. Je préfère leur bourriner la gueule. Voilà, bref, je divague. Voilà, les quêtes secondaires n'ont pas été très recherchées niveau narration, c'est pas du Witcher. C'est tout simple, vous allez là, vous tuez un ennemi. Si, il y a Gollum qui fait une apparition, vous le suivez, il vous donne deux, trois petites quêtes. C'est beaucoup de l'infiltration, mais ça va pas chercher très loin. Le système de chef de guerre, c'est vraiment ce qui fait le jeu. C'est inédit, je trouve. Bah, c'était inédit maintenant, parce que Assassin's Creed a largement recopié le truc. Bon, après, eux, ils ont recopié le système d'Assassin's Creed, donc la boucle est bouclée, hein, chacun. De toute façon, c'est comme ça que les jeux évoluent, en se copiant. Voilà, donc c'est vraiment ce qui m'a plu dans le jeu. Et puis j'ai vraiment aimé l'aspect violent qui n'est pas vraiment en adéquation avec le Seigneur des Anneaux, c'est plutôt un aspect. Après, si, quand ils sont Mordor, c'est un peu violent quand ils se battent, mais sinon je trouve que c'est un peu propre, les elfes sont toujours bien propres sur eux, etc. etc. Là, il y a ce côté crasseux, ce côté sanguinolent, noir. On est vraiment dans le Mordor et j'ai trouvé que c'était cool. C'est pas des belles prairies vertes comme on a l'habitude de voir dans Seigneur des Anneaux, c'est vraiment crasseux, noir, sombre. Vraiment très très bon jeu. Donc voilà, ma note finale, je l'ai noté 8 sur 10. Un 8 sur 10 très 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 mérité. Moi j'ai vraiment adoré ce jeu, donc si vous l'avez pas fait, je vous le conseille, vous pouvez le trouver pour 5-10 balles dans tous les bacs des Micromania, il est partout maintenant. Voilà, j'ai pas fait les DLC par contre, j'ai pas la version complète, j'ai lu sur internet qu'ils étaient sans grands intérêts. Après j'ai fait le 2 et j'ai un petit trou au niveau de l'histoire parce qu'il y a un DLC qui complète un petit peu la fin de l'histoire et du coup qui reprend directement dans le 2. Voilà, c'est un petit peu dommage. Je verrai si un jour je le retrouve, peut-être que j'y retournerai. Et voilà, je l'ai platiné encore une fois, c'est rare que je platine un jeu, donc si vous l'avez pas fait, foncez, un bon petit jeu pour un petit budget. Au lieu d'acheter un Assassin's Creed à sa sortie à 70 balles, vaut mieux se faire celui-là qui est tout aussi bien, je pense. Voilà, on enchaîne sans plus attendre sur l'ombre de la guerre. Donc, bah, je vais directement commencer. Alors, j'ai pas commencé dans le même ordre, je vais essayer de refaire pareil. Je vais commencer avec les graphismes également. Alors, j'ai pas noté. Si c'est bon, si j'avais noté dans le même ordre, j'ai rien dit. Donc, les graphismes, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pareil, alors lui, il est sorti un peu plus tard en
en 2017, donc 3 ans plus tard. Et je trouve que les graphismes sont plus lisses, plus cartoonesques, plus dessin animé. Alors c'est pas non plus un dessin animé, hein, ça reste quand même réaliste. Mais je sais pas, il y a moins ce côté justement que j'avais bien aimé. Un petit peu, ils ont des balafres un peu partout, des gueules déformées. Il y en a encore, mais c'est plus lissé, je trouve. Je sais pas comment expliquer, c'est plus parfait en fait. Plus Seigneur des Anneaux, quoi. Et ça m'a dérangé un petit peu au début, et puis finalement, je m'y suis fait quand même. Donc voilà. Et puis après, il y a le système. Alors les orques, quand ils sont vos ennemis, ils ont des couleurs rouges un peu sur leurs armures, ils ont du rouge sur la gueule, enfin voilà, ça dépend lesquels. Et quand vous les dominez, alors vous allez récupérer le pouvoir de domination, et bien ils deviennent bleus. Alors ça fait un peu force rouge, force bleue, un peu comme des équipes de foot. Et je trouve que. Alors ça, c'est des petits trucs, vous allez me prendre pour un fou, j'en sais rien, mais. Et je trouve que c'est moins immersif quand on a ce système. Je sais pas comment expliquer. Dans le premier, un orque, quand vous le dominez, il changeait pas d'aspect, c'était le même, sauf qu'il était avec vous. Et quand vous vous battiez, ben, il avait un halo bleu ou un halo rouge autour de lui, mais son aspect ne changeait pas. Et là, quand vous le dominez, son aspect change, son armure devient bleue. J'ai trouvé ça un peu dommage, c'est pas grand-chose, mais moi ça me dérange. Voilà. Alors c'est un petit peu à cheval entre le graphisme et le gameplay du coup. Sinon, ben, les cinématiques, vous pouvez les débloquer en 4K, faut les télécharger, alors faut le savoir, parce que moi je ne le savais pas au début, je me suis tapé les cinématiques en HD, et après j'ai vu dans les téléchargements gratuits que j'avais le 4K, mais il y a mon nez qui me gratte là. Et du coup, bah, les cinématiques en 4K vraiment sont très jolies. Il y a toute une histoire avec la reine des araignées dans le Mordor, avec Sauron, etc. Vraiment, bah, on va embrayer sur le scénario en même temps. Donc les graphismes 9 sur 10, on enchaîne sur le scénario parce que je suis en train de commencer à vous en parler. Donc il y a toute une histoire avec Sauron, la reine des araignées, etc., etc. Vous devez retrouver des parties de l'histoire à les assembler pour avoir une cinématique comme Assassin's Creed l'avait fait dans les premiers. Je sais pas s'ils le font encore. Ça s'est repris vraiment d'Assassin's Creed, on peut pas le dire autrement. Hein. Ça reste toujours pareil. On enchaînera sur le gameplay après, mais ça reste toujours un Assassin's Creed like. Voilà, donc le jeu nous reprend là où nous avait laissé. Donc on finit l'histoire du premier et on reprend aussi sec sur le 2, là où on en avait terminé. Donc ça c'est bien, je trouve. Parce que des fois on prend un autre jeu, c'est pas vraiment là, c'est une suite, mais c'est 10 ans plus tard. Là c'est vraiment juste après. Donc, on poursuit l'épopée de Talion. Avec quelques héros en plus. Alors, il y a un Black, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a une Nana. J'ai oublié leur nom. Ils sont pas vraiment intéressants en fait, sans plus. Après, vous jouez un petit peu. Je sais plus si vous la jouez ou si elle a. Non, il y a la Nana qui vous accompagne pas mal de fois. Le Black, un petit peu, mais moins. Enfin, voilà, je trouvais que c'était sans grand intérêt. Mais par contre, je crois qu'ils sont en DLC. Et du coup, quand vous téléchargez les DLC, vous jouez avec eux. Mais. Ça m'a pas intéressé du tout. Voilà. Par contre, il y en a un des deux personnages, je vous dis pas lequel, qui offrira un tournant, un gros tournant à la fin du jeu. Vraiment, la fin du jeu m'a surpris. Allez jusqu'au bout parce que la fin vous surprendra. C'est bien foutu. Voilà. Puis la première fin aussi était bien d'ailleurs. J'ai oublié, mais je me rappelle que c'était bien. Je sais plus ce qui se passait, mais c'était cool. Donc voilà. Moi, ça m'avait surpris. Donc le scénario m'a vraiment plu. Surprenant, les quêtes secondaires sont sympas, mais ça reste un peu sans intérêt comme dans le premier. La quête principale est cool. Le système avec retrouver les souvenirs de l'araignée, là, bon, ça reste du quête FedEx, mais ça vous donne une cinématique qui est sympa. Donc, niveau scénario, j'étais ravi, j'ai mis 10 sur 10. Voilà. Le gameplay, donc, on retrouve tout ce que le premier opus avait apporté avec du plus en fait. C'est la même chose, mais survitaminé. Donc, c'est encore mieux. Le système de capitaine a été amélioré. Donc ce coup-ci ils ont ajouté un système de un peu tower défense. Donc vous avez en fait quand vous arrivez sur une ville, il y a une espèce de fort. Alors vous avez comme le menu du premier, mais ce coup-ci c'est carrément une citadelle. Et vous avez des ennemis, vous n'avez pas accès, donc des chefs suprêmes. En dessous vous avez au moins 10 capitaines, si c'est pas, je crois que c'est 12 même. 12 capitaines plus 3-4 chefs suprêmes et un grand Manitou, je sais plus comment il l'appelle. Ou chef suprême au-dessus, et au-dessus c'est des chefs, je sais plus quoi, oh, je sais plus le nom, enfin bref, ils ont des noms, c'est des paliers en fait. Et donc, du coup, vous devez parvenir à tuer le chef suprême de la citadelle et prendre la citadelle, après elle est à vous, et vous devez non seulement la défendre, mais en plus vous pouvez l'utiliser pour attaquer d'autres citadelles en ligne. Bon, après, moi j'ai joué, alors ils faisaient semblant de me faire jouer en ligne, mais le serveur est fermé.
Donc en fait, ils inventent des personnages aléatoires, ils mettent un nom à la con, et puis vous jouez comme si vous étiez en ligne. En plus, j'ai pas payé le pass, donc c'est impossible que je puisse jouer en ligne. Mais du coup, il y a un système comme ça devait être cool online parce que du coup, vous pouviez attaquer les forts de vos copains, etc., etc. Donc voilà, très bon système de tower défense. Après, j'ai pas passé Eternam dessus, mais j'en ai fait quelques-uns. J'ai trouvé ça cool. Il y en a quelques-uns qui sont inclus dans l'histoire. Vous pouvez en faire aléatoirement. Voilà, il y a aussi des quêtes de vengeance. Donc quand un ennemi vous a tué, vous pouvez aller vous venger, aller le flinguer. Par contre, c'est bien foutu parce que quand il vous a tué, il prend des grades et il gagne des nouveaux pouvoirs, il change un petit peu d'aspect et puis il peut aller jusqu'à devenir chef suprême. D'ailleurs, il y a un trophée comme ça. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et il y a aussi des quêtes de vengeance online. Donc si quelqu'un s'est fait tuer, vous avez un macaron rouge avec une croix qui apparaît et vous cliquez dessus, vous téléportez dessus et vous pouvez aller venger le gars qui s'est fait buter. Donc encore une fois, moi je pense qu'il m'en simulait parce que je pouvais pas jouer en ligne, mais ça a fait comme si, donc c'était cool. Par contre, les ennemis sont puissants. Et en plus, quand vous allez vous venger comme ça, vous êtes téléporté sur une map, bah, la même map, du jeu, mais limitée. Vous pouvez pas, il y a des frontières que vous ne pouvez pas dépasser. Et il n'y a pas forcément un seul capitaine, il peut y en avoir 2, 3, 4. En plus de ça, les capitaines peuvent vous faire des embuscades, mais déjà dans le 1, je crois. Donc ça c'est cool, vous êtes en train de jouer, vous y attendez pas et d'un seul coup, paf, embuscade, donc en même temps vous êtes en train d'attaquer un autre capitaine ou de faire je sais pas quoi, ça peut être même contraignant. Et j'ai trouvé ça vraiment cool, c'est bien foutu. Il y a toujours ce système d'or qui vous reconnaissent, qui vous parle, hey Talion, ça fait longtemps que je te cherche, hey Talion, la dernière fois on s'est battu, tu t'es barré comme une mauviette, etc. etc. Donc ça c'est toujours bien foutu. Après là, il y a un petit bémol quand même par rapport au premier. C'est que j'ai trouvé que les orques, bah, j'avais quelques répliques un petit peu similaires. Alors, est-ce que j'en ai tué beaucoup plus que dans le 1? Et du coup, bah, au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec les mêmes répliques qui revenaient. Parce que dans le 1, je crois que j'ai pas entendu deux fois la même réplique. Ça m'a vraiment impressionné. Enfin, je trouve que c'est vachement immersif. Et pareil, physiquement, il y en a quelques-uns qui se ressemblent. C'est quand même un peu plus un jeu lambda. Il y a vraiment moins ce côté unique de chaque orque. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Par contre, si un banal orque vous tue, et ben pof, il est déclaré capitaine, il change un petit peu d'aspect, donc il chope une armure, il devient un peu plus badass. Et du coup, il rentre dans le cercle des capitaines. Et je trouvais ça c'était sympa. D'ailleurs, il y a un trophée à débloquer comme ça, où vous faites tuer par un soldat, et vous le faites monter jusqu'à chef suprême. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'à force qu'il vous tue, et ben en fait, il gagne des grades. Et après, il peut déclarer un duel avec un autre capitaine qui est plus fort que lui pour prendre sa place et puis ben, devenir chef suprême. Voilà, donc le gameplay, bah, comme vous l'avez entendu, je vous en parle depuis un quart d'heure, est très très bien. J'ai mis 10 sur 10 parce que vraiment j'ai été subjugué par ce jeu. Le système de combat, c'est carrément la même chose que le premier. Après, quand vous aurez fini le jeu, vous allez débloquer quelque chose et ça va vous changer tout le jeu. Et ça, j'ai trouvé vraiment cool. Ça restera à peu près pareil, mais différemment. Et je peux pas vous en dire plus. Et ça, c'est vraiment super bien. Voilà. Donc très très bien. La durée de vie, alors le jeu est assez long, j'ai mis 50 heures pour le terminer. Je l'ai platiné également, donc je les ai platinés les deux de suite, et je les ai enchaînés les deux de suite, et je me suis pas lassé, j'en ai pas eu marre d'y jouer, j'étais même dégoûté d'arriver à la fin, donc pour vous dire que j'ai vraiment apprécié ces jeux. Je pense qu'on peut le finir en une trentaine d'heures, si vous voulez seulement aller au bout, mais pas faire tout à 100%, tout choper les objets, etc. Moi j'ai vraiment tout fait à 100%. Il y a que les. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous en parler de ça. Vous pouvez gagner des objets. Alors, sur les ennemis, vous gagnez des objets, bah, même dans le 1 d'ailleurs. Vous avez des épées, alors elles sont blanches. Après, vous avez les épées dorées. Après, vous avez des épées un peu marron. Et puis après, vous avez du légendaire, donc comme dans tous les RPG actuellement. Action RPG, donc comme Assassin's Creed, etc. Alors, je sais pas qui a copié sur qui du coup. Donc voilà, c'est le même système. Et en fait, il y avait 64 ou 66 équipements légendaires à trouver, puis j'en avais marre de les chercher, donc j'ai pas fait. Mais voilà, si vraiment vous voulez aller au bout, bah, il me resterait ça à faire, quoi. Sinon, j'ai tout fait le reste, tout à 100%. Vraiment, très très bon jeu. Donc voilà, je vous dis une cinquantaine d'heures pour le finir. Après, la gestion des orques, c'est très prenant, hein, parce que vous pouvez les. Là, c'est vraiment mieux foutu que dans le premier. Vous avez plusieurs zones et vous pouvez choisir un orque, le mettre s'il est à un niveau un peu plus costaud qu'un autre, vous pouvez le prendre et l'emmener dans une autre ville. Vous pouvez le tuer si vous plaît pas pour récupérer l'équipement. Vous pouvez. Alors je crois qu'on pouvait en acheter, apparemment, ça avait fait polémique, j'ai vu sur les forums. On pouvait acheter des orques.
Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Bah, quand vous faites des quêtes en Vendetta et puis que vous dominez des orques, et bah après, ils sont dans vos, dans, vous avez un menu, vous avez garnison, bah, ils se trouvent dedans, donc comme une banque d'orques en fait. Et après, vous pouvez le prendre et le mettre dans une ville dans laquelle vous jouez. Vous pouvez les déplacer pour les faire passer chef suprême. Enfin, il y a toute une gestion des orques et j'ai trouvé ça vraiment bien. Ça fait un mélange entre action RPG, jeu de gestion et tower défense en fait. C'est un mélange de ces trois jeux-là et j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Donc vraiment très bien. Après, durée de vie, je fais du gameplay en même temps, j'ai tout un peu mélangé parce que j'ai tellement de choses à vous dire, ça m'a vraiment plu. Donc voilà, ça peut être une gestion un peu chronophage, si vraiment vous passez du temps là-dessus. Donc c'est pour ça que ben, d'une personne à une autre, ça peut être plus ou moins long. Il y en a peut-être qui vont me dire, ah ben non, mais moi je l'ai fini en 20 h, comment ça se fait que t'as mis autant de temps? Mais moi je me suis vraiment attardé sur la gestion des orques. Je voulais qu'ils soient tous bleus, donc tous avec moi sur sur mon menu, je voulais pas un seul rouge. Alors après, si quelqu'un s'en fout, qui veut juste avoir le chef suprême et puis qui s'en fout du reste, il mettra moins longtemps que moi. Voilà, donc j'ai mis 10 sur 10, je sais plus si je vous l'ai dit, pour la durée de vie. Ensuite, son et musique, alors rien à dire. On est dans le Mordor, pareil. Après, j'ai trouvé, alors c'est pas vraiment dans les sons du coup, mais il y a moins cet aspect crade, moins cet aspect glauque que j'avais retrouvé dans le 1, j'étais un peu déçu de ça. Mais sinon, au niveau des musiques, c'est cool. Les orques parlent de nous comme dans le premier, les sons vous mettent dans l'ambiance. Les musiques, j'ai bien aimé les musiques d'intro et de fin. D'ailleurs, il y a un petit hommage au réalisateur du jeu, je crois. Je crois que c'est le réalisateur. Hein. À la fin du jeu, bah, je vous ai spoilé, vous regarderez, il y a un hommage. J'ai trouvé ça touchant. En plus, je m'y attendais pas, je ne savais pas, donc je me suis mangé le générique, je pouvais pas le passer, donc je l'ai regardé. Et d'un seul coup, j'ai vu un truc. Et je me dis, mais pourquoi il y a ce mec-là, qu'est-ce qu'il fout là? Et puis en fait, j'ai recherché sur internet et j'ai compris. Donc apparemment, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils l'ont immortalisé, parce qu'il bah, il est mort, mais ils l'ont immortalisé dans le jeu, et dans un DLC malheureusement, donc je ne pourrais pas voir. Enfin, si j'ai vu plus ou moins ce qu'ils ont fait de lui, mais je ne pourrais pas le jouer, quoi, c'est un peu dommage. Bref, donc voilà, les musiques très bien, j'ai mis 10 sur 10 également. Alors, je l'ai peut-être noté un peu fort, hein, il m'a vraiment plu. Voilà. Donc j'arrive à la note, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce jeu. Je suis même dégoûté d'être arrivé à la fin, même le premier. J'espère qu'ils feront une suite un peu après la fin, présage rien de bon, donc je sais pas. Oui, d'ailleurs, il y a une scène. Je crois qu'il y a une scène post-générique, si je dis pas de conneries. Je sais plus. Ouais, il y a une fin, il y a une fin et il y a une autre fin plus tragique, on va dire. Voilà, donc ça laisse supposer. Après, peut-être qu'il y a moyen de faire un 3 par rapport à un autre épisode, une autre partie du jeu. Un autre événement du jeu, je sais pas, donc ça serait avec la fille du coup, on verra, mais bon, normalement non, donc je pense qu'il y aura peut-être pas de suite, ou alors ils feront autre chose, mais ça serait cool. Donc voilà, donc dégoûté de Trobou, comme je viens de le dire. Bah pareil, le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est cet aspect hasardeux, donc j'ai retrouvé la même chose que dans le premier, où c'est que vous appuyez sur telle ou telle touche, des fois ça marche pas, c'est chiant, ça capote, ça s'embrouille, ça, voilà. Il n'y a que ça qui m'a un peu embêté. Mais il y a beaucoup de jeux comme ça. Hein. Je trouve la même chose sur Horizon où c'est moi qui est fou. Mais il y a des jeux, ils sont vachement fluides. Je vous joue à Monster Hunter, c'est fluide. Si c'est pas fluide, vous faites péter en deux tout le temps, c'est chiant. Vous jouez, je sais pas, Assassin's Creed Origins, je trouve que ça allait aussi. Il y a des jeux très fluides où c'est qu'on appuie, ça fonctionne. Mais là, des fois, on appuie, ça marche pas. C'est chiant. Voilà, ça m'énerve vite dans les jeux. Donc cet aspect hasardeux, c'est un peu ce qui m'a embêté. Sinon, bah, le jeu a tellement apporté d'autres choses que bah, j'en ai pas tenu compte en fait, parce que il est exceptionnel. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, c'est un très 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 bon jeu. Je pense pas qu'il y aura de suite, je reviens là-dessus. Je pense que ça sera une saga en deux opus, malheureusement. S'ils en refont un, ça sera autre chose, un peu comme ils ont fait avec Batman. Ils vont vous faire un autre jeu de la même série, mais avec des nouveaux personnages. Je pense, mais voilà. Mais après, dans l'histoire, vous allez pouvoir de vous réincarner, donc peut-être qu'il y aura quelque chose, je ne peux pas vous dire. Donc ma note finale, bah, je l'ai notée 10 sur 10, parce que c'est le même mais en amélioré. Tout est mieux fait, tout est. Voilà, c'est la même chose. Au début, il me plaisait moins, puis au fur et à mesure du jeu, je me suis dit qu'en fait, c'est l'ombre du Mordor en x10, quoi. Donc voilà, c'était tout pour ma notation de jeu. Désolé, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous donnera envie de jouer à ces jeux. Donc l'ombre du Mordor, voilà, sur PS4 et Xbox One. L'ombre de la guerre sur PS4 et Xbox One, je ne sais pas du tout si c'est jouable sur PC, je pense. Voilà, je vous les conseille, vous pouvez les trouver pour pas cher. Si vous prenez les versions avec DLC, ils coûtent un petit peu plus cher. Comptez une vingtaine d'euros, je crois que c'est des codes de téléchargement, donc vous ne faites pas avoir, je ne suis pas certain.
Sinon, les deux là, je pense que pour aller 5-10 balles pièce, vous pouvez les jouer. Donc ça fait des très bons jeux, des heures de jeu pour vraiment pas cher. Et si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, ben, ça ne peut que vous plaire. Voilà, salut!